Tiens, aujourd'hui, Mourad promène son chien. On va lui faire une blague. Mais on pourrait très bien dire « Mourad promène son réfrigérateur ». Ou alors « Mourad promène un très gros dinosaure ». Pas très rassurant. Ça va, Mourad ? Donc, Mourad peut promener son chien, son réfrigérateur ou un très gros dinosaure. Ce qui est bien avec les verbes, c'est qu'on peut les compléter avec un groupe nominal. Pas vrai, Mourad ? Oh, tu n'as pas l'air content, Mourad. On peut aussi changer le verbe. À la place de promener, je pourrais dire « Mourad brosse un très gros dinosaure ». Bon, j'arrête. Mourad photographie un très gros dinosaure. Tu préfères ça, hein, Mourad ? Ou Mourad photographie son réfrigérateur, son chien ou Lola. Même si c'est absurde, la phrase a du sens. Le nom ou le groupe nominal qui suit le verbe en dépend directement. C'est son complément d'objet direct. Maintenant, imagine que ton dinosaure ouvre ton réfrigérateur. Tu pourrais dire « Un dinosaure trouve un gâteau. Il le dévore. » Eh oui, Mourad, tu as raison. Le complément d'objet direct est placé directement après le verbe quand il s'agit d'un groupe nominal ou d'un nom. Mais quand le complément d'objet direct est un pronom, il se trouve devant le verbe. Il resterait pas un petit peu de gâteau ?